OCS, partenaire officiel du 49e Festival du cinéma américain de Deauville. OCS, vous êtes fan? Nous aussi. Ladies and gentlemen, nous allons rendre hommage ce soir, comme chaque année, à un grand écrivain en lui remettant le prix littéraire Lucien Barrière. Au jury de ce prix prestigieux, nous retrouvons 5 journalistes et écrivains, François Armanet, Ariane Bois, Tiffany Gassouk, Colombe Schneck et Eric Newhoff. Et c'est ce dernier qui va m'accompagner maintenant sur scène afin de présenter le lauréat de cette année, mesdames et messieurs, le président du jury, Eric Newhoff. Bonsoir. Quand même, nous avons eu de la chance. Heureusement que l'auteur que nous avons couronné n'est pas scénariste, sinon on aurait été bien embêtés et ce discours aurait dû être encore plus long qu'il ne le sera. Il faut dire qu'une grève des romanciers ne gênerait pas grand monde. Cette année, nous avons fait très fort. La lauréate est une Californienne d'origine japonaise dont l'héroïne arrive de New York pour s'installer à La Haye. Vous suivez au fond ? La narratrice qui n'a pas de nom et qui parle plusieurs langues, comme Jenny, travaille comme interprète au tribunal international. Elle participe au procès d'un djihadiste et d'un ex-président africain accusé de crimes contre l'humanité. Petit à petit, elle se détache de tout, dans un univers de nuit blanche, comme si elle observait son entourage derrière une paroi de verre. Exemple de son style, La Haye était une ville tranquille, civilisée jusqu'à l'acharnement, on dirait une description de Deauville. Tout cela fait penser à la regrettée John Didion, qui ne figure pas à notre palmarès, mille pardons, mais comme on disait à la fin de certains Lame Show, nobody's perfect. Du personnage, on ne saura rien, mais au moins la romancière, elle, a un nom, Cathy Kitamura. Le livre, lui, s'intitule « Intimité » au pluriel. À un moment, il y a question d'un libraire agressé. Ne cherchez surtout pas cette excuse pour ne pas vous le procurer dans une librairie, parce que si les libraires roulaient sur l'or, même à Deauville, ça se saurait. En plus, notre inculture étant de dimension quasi amazonienne, grâce à l'auteur, on a envie de découvrir le tableau de Judith Leister, cette artiste hollandaise du XVIIe siècle, dont l'homme proposant de l'argent à une jeune femme est son chef-d'œuvre. Et là, le dernier rang se met à bâiller. Encore un mot, Cathy Kitamura n'est peut-être pas scénariste, mais Intimité risque de devenir un film. On parie. Merci beaucoup, Eric Newhoff. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, would you please welcome Cathy Kitamura? «
Katie Kitamura, notre lauréate de ce prix littéraire Lucien Barrière. Ah non, on n'est pas dans un stade espagnol. We're not in a Spanish stadium. Katie, please. Thank you, Eric. My deepest gratitude to the jury and to the Deauville American Film Festival for this honor. When I was in my very early 20s and I was living in London and I was just starting to write, I worked as an usher at an independent cinema. There, I was introduced to the work of Abbas Kiarostami and Wong Kar-wai, Aki Kaurismäki, and the Dardenne brothers. I received an education in that theater, one that shaped me as a writer and also as a person. And so it is especially meaningful to be here today in this beautiful theater and at this wonderful festival, which has showcased the work of so many of my heroes. I'd like to thank my brilliant editor, Raphael Libas, and also my equally brilliant translator, Céline Leroy. It is the honor of my writing life to be translated and published by you. Thank you again. Katie, thank you so much. Would you please come center stage? And we'll give you, while you're doing that, I will translate. Donc Katie nous disait en fait quand elle avait 20 ans, elle habitait à Londres, elle travaillait dans un cinéma indépendant. C'est là où elle a pu trouver les films de Kiarostami, Edward Young, Wong Kar-wai. Et c'est là où elle dit qu'elle a reçu une éducation qui l'a vraiment formée en tant qu'auteur et comme un être humain. Et elle est tellement contente d'être ici à ce festival de cinéma justement qui a montré les films de tellement de ses héros depuis des années. Donc elle lui dit un grand merci justement à sa éditrice Raphaël Libert et aussi à sa traductrice Céline Leroy. Et voilà, on le félicite encore, Katie Kitamura. Merci beaucoup, Katie. Eric, thank you so much. Merci beaucoup. Et bien sûr, la remise de trophée est un trophée qui est fait par l'artiste Karl Lagas. Et voilà. Depuis 3 ans maintenant, le Festival de Deauville accueille la sélection L'heure de la Croisette. Pour cela, le directeur du Festival de Deauville, Bruno Bard, a choisi personnellement 3 films parmi les meilleurs longs-métrages projetés à Cannes cette année. Demain, vous pourrez découvrir en présence du directeur du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, L'enlèvement de Marco Bellocchio et Les feuilles mortes de Aki Kaurismäki, prix du jury cette année. Et ce soir, c'est Le règne animal réalisé par Thomas Caillé. Bruno Bard a eu un vrai coup de cœur pour ce film qui est une, dans ses mots, grande originalité dans le cinéma français et il tenait absolument à vous le présenter ce soir. Le règne animal est le 2e long métrage de Thomas Caillé après Les combattants qui a remporté 3 Césars dont celui du meilleur premier film. Alors Thierry Frémaux, le directeur du Festival de Cannes, va être avec nous demain pour présenter les 2 autres films dans la sélection. Il voulait absolument nous envoyer un petit mot pour parler du règne animal exactement. Donc je vais lire ce petit mot de Thierry Frémaux. Dans Le règne animal, que le Festival de Cannes a eu l'honneur de présenter en sélection officielle, il y a ce que le cinéma français fait de mieux, se rendre imprévisible, se réinventer. Considérer qu'un 2e film peut déjà renverser les codes et les histoires. Proposer un voyage que nul ne pouvait envisager et dont l'évidence se fait jouer par la grâce de la mise en scène. Mettre sur la carte du monde des paysages nouveaux, des auteurs nouveaux, des acteurs nouveaux, et vous allez en voir un beau spécimen. Le règne animal évoque notre rapport à la normalité, à l'étrangeté, et de manière sidérante, attention, le mystère est posé d'emblée, soyez concentrés dès les premières minutes. Au bout de 2 heures, la conclusion s'impose. Accepter l'étrangeté, c'est questionner notre normalité, ou peut-être le contraire. On ne le fait pas assez, n'est-ce pas? Le règne animal interroge aussi nos vies et dessine des choix qui restent possibles, qui doivent rester possibles, une interrogation qui rend généreux et humble. Le règne animal est l'œuvre d'un être humain qui défend la nature, d'un poète qui pense que ça ne nous a pas réussi de tenter de la dompter et que cela ne réussira jamais. Il y a tout ça dans ce film et plus encore, vous verrez. C'est du cinéma tout le temps et c'est aussi un grand film sur les rapports père-fils parce que Romain Duris et Paul Kircher sont là pour le montrer. Le jeune père, le jeune fils, Romain Duris
et Paul Kircher. Ça aussi, vous verrez. Le règne animal, son réalisateur s'appelle Thomas Caillé. Après Les combattants, son premier film, tout le monde l'avait repéré. Il confirme, il monte, il s'échappe. On attend déjà la suite. Et maintenant, je vais demander d'accueillir, s'il vous plaît, le réalisateur du règne animal, Thomas Caillé. Welcome, Thomas. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes nombreux. Cette salle est très grande. Je suis bien? Non, ouais. Okay. Oh, il n'en voit vraiment plus rien, c'est mieux. Oui, vous voulez dire quelques mots? Après, on a entendu Thierry Frémaux, Bruno Bard, tout le monde est amoureux de votre film. Vous, présentez-le pour nous. Ah non, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Non, je plaisante, je suis évidemment dans cette position un peu contradictoire, d'être à la fois très fier et très humble là au pied de cet immense amphithéâtre. Je suis très excité de voir comment le film va être reçu ici. Ça a beaucoup de sens pour moi d'être ici. J'ai un très bon souvenir de Deauville que j'avais découvert juste après mon premier long métrage. Et voilà, j'ai pas très envie de parler du film. J'espère qu'il dit tout seul ce qu'il a à dire. En tout cas, je vous souhaite une très bonne projection et un bon film. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Thomas is saying he feels very proud and very humble to be here in this giant theater. He is very appreciative of Deauville and came here after his first film. And he's so happy for you tonight to discover the animal kingdom. Bonne projection, tout le monde.